Good luck, Thank Alex. You. Fred, you can start. Merci Viola. Bonjour à toutes et à tous. On laisse le temps à tout le monde de se connecter, mais je crois que c'est à peu près le cas. Donc, je suis ravi d'introduire ce séminaire de la communauté de pratique, hein, qui est la seconde, en fait, après la dernière réunion donc, du réseau national des envois de fonds au Sénégal, hein, qui avait été animé par Edwin Mensa. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Leleng Tchangai qui remplace Edwin. Et Leleng Tchangai va être le représentant en fait, de FIDA, la Financing Facility for Remittances au Sénégal. Et c'est lui qui sera le maître de cérémonie pour cette session de communauté de pratique. Allez, Hélène, je te passe la parole. Allô? Merci, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette session qui vraiment va beaucoup nous apporter en termes d'identification des clients. Nous recevons, conformément bien sûr à la récente enquête que nous avons animée dans le cadre du réseau national d'envoi de fonds, nous recevons Senfri, qui est vraiment un think tank spécialisé notamment dans les recherches qui sont relatives à l'inclusion financière. Et dans ce cas de figure, nous avons John Symington, qui est vraiment un expert dans l'identification des clients. C'est aussi le monsieur qui est derrière le toolkit qui permet d'identifier les clients. En fait, ce toolkit s'appelle Inclusive Integrated Toolkit. Et aujourd'hui, il va partager avec nous, dans le cadre de cette session, les travaux que Senfri a bien entendu animés dans le cadre notamment de tout ce qu'on appelle communément l'identification du risque. Donc, il va partager aujourd'hui un ensemble de leçons qu'ils ont appris dans d'autres pays et dans d'autres travaux de recherche. Donc, je laisse la parole donc à John Symington. Merci. Thank you. It is always a pleasure to be able to. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un grand plaisir, comme d'habitude, de m'exprimer devant vous, surtout des personnes qui travaillent dans ce domaine au quotidien et qui ont une contribution à faire au quotidien en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'intégrité financière dans l'ensemble. Alors, je voudrais voir comment ces aspects sont liés à l'approche axée sur les risques. Alors, j'ai une présentation à partager avec vous, mais d'abord, est-ce que vous voulez
dire quelque chose en guise d'introduction. Juste en dessous de l'écran, il y a un petit bouton interprétation. Donc, vous pouvez en fonction, vous avez le choix entre l'anglais et le français. Et vous pouvez choisir en fonction, bien sûr, l'option qui vous correspond le plus. Merci. Merci Léline, merci John. Je vais juste donner des petits mots de l'introduction sur le programme Remittance Access Initiative avant de passer la parole à John. Donc, ce programme est mis en œuvre dans 7 pays, dont le Sénégal, mais ces 7 pays incluent le Ghana, la Gambie, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et le Maroc. Et l'objectif de ce programme est d'améliorer l'accès aux envois de fonds, surtout pour les ménages ruraux et les ménages à faible revenu, afin d'améliorer leurs moyens de subsistance. Et avant d'introduire John, je voudrais juste mentionner quelques interventions clés sur lesquelles nous travaillons dans ces 7 pays. Et dans ces 7 pays, nous travaillons avec 2 prestataires de services de transfert de fonds. Et les exemples des interventions sont des évaluations des risques. Donc, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de demandes et John partagera certaines des perspectives émergentes, comme Leleng a dit. Nous travaillons aussi sur les reçus générés par le système, donc en anglais les System Generated Receipts, pour résoudre les problèmes d'analphabétisation. Nous travaillons sur les diligences raisonnables simplifiées et la numérisation des bases de données d'identité pour éviter les défis avec des identifiants perdus ou peu clairs. Donc, nous avons développé ces interventions avec les prestataires, donc conjointement. Dans les pays au Sénégal, nous avons contacté tous les prestataires enregistrés au début du programme et nous travaillons avec 2, dont Weasel Money. Et quant à M. John Symington, il est expert en évaluation des risques et membre actif de la Société de la conformité et du risque à travers le monde. Il a dispensé des formations aux institutions financières, aux régulateurs, superviseurs, organismes régionaux comme GIABA, ESAMALAG, AFI, GAFI, sur la conformité, les risques et l'intégrité inclusive. Et il a beaucoup travaillé avec Senfree sur ce toolkit. Et il est aussi directeur fondateur de l'Institut de conformité d'Afrique du Sud et a développé la pratique de conformité généralement acceptée sous le Compliance Institute of South Africa, qui est actuellement disponible. Donc, je vais maintenant céder la parole à John. Et il va nous guider dans la discussion principale de la journée. Merci. Over to you, John. Juste préciser que. Thank you, Monsieur. Juste pour préciser, I've got, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Sorry. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Merci. Thank you. I've got a very full presentation. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire avec une présentation extrêmement dense et j'espère que vous poserez des questions au fur et à mesure que j'avance. Je vais passer très rapidement sur quelques diapositives. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Donc, je vais couvrir les résultats de l'approche axée sur les risques. Nous pouvons donc évaluer les résultats
fondée sur votre vision de la réussite de l'intégrité financière. Ensuite, nous allons voir comment évaluer les risques et ensuite, je vais faire quelques remarques pour conclure en ce qui concerne les assurances et comment est-ce que vous trouvez des réponses qui sont à la hauteur des risques. Donc, comme vous avez entendu, nous avons de nombreux projets qui ont une application très intéressante à travers les institutions et nous avons fait en sorte de créer des modèles qui aident les institutions avec qui nous travaillons, notamment ce que ça veut dire de faire une évaluation des risques, comprendre votre business et en particulier lorsqu'il s'agit de l'envoi des fonds et différents corridors et différents produits peuvent avoir différentes caractéristiques et ces caractéristiques doivent être évaluées dans l'optique d'offrir un service aux clients tout en tenant compte des aspects géographique et tout en identifiant correctement les risques. Donc ça, c'est un peu le contexte général. Alors, l'intégrité financière inclusive est un concept qui est quand même assez connu maintenant. Cela veut dire que l'intégrité financière veut dire qu'il faut contrer le financement du terrorisme. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément perçu comme étant quelque chose qui rentre en conflit ou quelque chose qui n'est pas complètement intégré à l'inclusion financière. Il s'agit d'avoir des solutions qui sont en adéquation avec les risques identifiés. Nous avons engagé avec différentes organisation. Il faut donc toujours apprendre. Hein. C'est une courbe d'apprentissage permanente. Au début, évidemment, tout est basé sur la perception, c'est-à-dire que l'évaluation de votre risque nécessite vraiment une compréhension profonde de la situation, comprendre quels sont les risques, quels sont les différents facteurs de risque. Et puis ensuite, avec notre aide, ces organisations permettent de mieux comprendre le risque et avec les données qui permettent de modéliser les solutions. Donc, l'opportunité est de reconnaître, comme c'est reconnu dans les normes internationales du groupe d'action financière, le GAFI, ce sont des recommandations qui nécessitent que les institutions reconnaissent leurs risques et la proportion de leur réponse aux risques. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre les risques et de trouver des solutions qui sont en adéquation avec ces risques. Et c'est la première chose à faire pour développer une approche axée sur les risques dans les différentes organisations. Alors, s'il y a quelques défis qui vous viennent à l'esprit, s'il y a des aspects sur lesquels vous voulez que je m'attarde, parce que ce sont des défis qui se posent dans vos régions, n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou à leur demander la parole et je prendrai en compte vos besoins et je prendrai en compte les parties sur lesquelles je dois m'attarder plus particulièrement. Alors, commençons donc avec l'approche basée sur les risques et essayer de voir quel est le point de départ, à quoi ressemble la réussite dans votre programme d'intégrité financière. Ben, d'abord, évidemment, il y a le blanchiment d'argent et contrer le financement du terrorisme. Donc, essayer de voir quel est le cadre dont vous avez besoin. Je vais le faire très rapidement. Votre point de départ, c'est de quoi nous avons besoin? Alors, évidemment, l'approche axée sur les risques est
tout un environnement qui repose sur la façon dont les pays répondent au cadre posé par le GAFI. Alors, à quoi ressemble le scénario idéal? Eh bien, en tant qu'institution, vous allez réfléchir à la conformité et il y a certaines exigences, évidemment, donc ce qui est fait en termes de devoir de diligence. Le résultat, c'est l'atténuation des risques par rapport aux différents risques, la façon dont ces risques sont évalués et la façon dont vous répondrez à ces risques. Dans le contexte de l'approche axée sur les risques, eh bien, la lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est ce que l'on cherche à atteindre comme résultat. Et pour définir cette approche stratégique, et je pense que certains parmi vous l'ont déjà fait, il faut savoir ce que l'on cherche à mesurer. Quels sont vos indicateurs? Par exemple, éviter une amende. Ensuite, comprendre son risque et y répondre de façon adéquate. Donc, votre indicateur peut être votre compréhension des risques et vos différents niveaux de tolérance. Et ensuite, une évaluation des risques axée sur des données pour garantir un haut niveau d'assurance, c'est-à-dire vous comprenez les risques et la façon de les atténuer. Et donc, cela nous amène à une approche axée sur les résultats. Alors, le GAFI a défini 8 domaines de résultats. Ici, vous avez des exemples de résultats intermédiaires. Et donc, vous avez les différents exemples de résultats intermédiaires. Vous avez les résultats intermédiaires 10 et 11 que vous connaissez bien. Également, la norme internationale n'est pas faite pour positionner la conformité d'une façon particulière. En fait, en termes de conformité, vous avez le risque LBC ou le risque CFT. Il faut mettre en place un cadre et un processus et les modèles dont nous allons parler vous permettent un moyen d'évaluer ces risques. Alors, pour commencer, quel est le contexte? Eh bien, les obligations au niveau du pays, au niveau du secteur, vous le savez en tant que prestataire de services d'envoi de fonds, et c'est là le cœur de notre projet, une compréhension des règles avec lesquelles votre organisation doit se conformer. Et ce type de communauté de pratique, justement, permet d'échanger au sujet des différents principes qui doivent sous-tendre l'approche axée sur les risques. J'ai souvent travaillé sur la question suivante, où trouver en fait ces principes sous-jacents? Et sont-ils pertinents pour le contexte africain? Au niveau des différentes régions, eh bien, à mon sens, ces principes n'existent pas. Ils doivent en fait être créés en plus des normes internationales et il faut permettre un échange sur la façon dont ces principes peuvent permettre de lutter contre le blanchiment des capitaux et d'autres normes internationales. Alors, pour commencer, eh bien, un centre d'inclusion financière a mis en place ce cadre pour réfléchir à l'approche axée sur les risques. Et le rapport à l'intégrité financière. Donc, je vous invite à consulter cette publication. Vous trouverez cette boîte à outils. Elle comprend les réponses que les organisations pourrait souhaiter adopter dans le cadre d'une stratégie plus large.
N'hésitez pas si vous avez des questions, mais en tout cas, je ne comptais pas passer trop de temps sur cette diapositive car j'aimerais passer assez rapidement au modèle afin que nous puissions conclure cette présentation en 30 minutes à peu près. Alors voilà, donc ça c'était pour poser le contexte, le cadre dans lequel on se positionne pour réfléchir aux risques. Alors, ces risques, quels sont-ils? Comment les positionner? Comment y répondre? Au sein de différentes institutions, et cela a été notre expérience, et dans le contexte en particulier de l'évaluation des risques, nous avons constaté qu'il y avait un risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération. Ils ont tendance à être considérés ensemble. Donc, il y a l'évaluation de ces risques et la réponse à ces risques. Et très souvent, on y réfléchit ensemble, alors qu'en réalité, il faut les prendre un à un. Il y a premièrement le risque de blanchiment d'argent. Alors, la définition du blanchiment d'argent, eh bien, est relativement facile à définir dans le cadre d'un programme de conformité. Mais en réalité, au niveau de normes internationales et au niveau pays, les définitions ne sont pas toujours très claires. Il faut les définir à part dans les différents cadres, ainsi que le risque de financement et le risque de conformité. En fait, les risques sont séparés et il est très fréquent de les retrouver groupés. Et souvent, les institutions opèrent sur la base d'une liste et ont tendance, en quelque sorte, à se surconformer sur la base d'une liste plutôt que d'axer leur approche sur des données et des processus. Donc, notre approche a été de travailler sur la définition de ces risques et nous pouvons partager avec vous certaines de ces définitions. Le risque de blanchiment de capital risque qu'un pays, une institution financière ou une unité commerciale puisse être utilisée pour le blanchiment d'argent. Et c'est très différent du risque de conformité, qui est le risque, par exemple, d'être soumis à une amende. Et il y a également des définitions particulières pour les autres types de risques que j'ai cités. Et les normes internationales ont été mises en place. Et vous verrez à l'écran les différentes définitions dont je parle. Donc, le risque de blanchiment de capital, le risque de financement du terrorisme et le risque de prolifération sont donc des risques distincts qui doivent être évalués de façon distincte. Ensuite, il y a la définition du risque de conformité. Et il y a aussi le risque d'exclusion financière et le risque de flux financiers illicites. Et en bas à droite, vous voyez le risque de flux financiers illicites. Chacun de ces risques est distinct. Et lorsqu'on a une approche axée sur les risques exhaustifs, on comprend mieux l'appétence et la tolérance aux risques pour chacun de ces différents types de risques. Et cela permet d'avoir un modèle mieux défini. Il faut comprendre les risques à différents niveaux. Par exemple, il y a des risques produits, canal de livraison, clients, risques géographiques ou autres. Et cela permet d'avoir une compréhension des risques qui concernent différents aspects de votre organisation. Et il y a des mesures de conformité qui sont mises en place. Il y a, pour atténuer les risques, la gouvernance, la diligence raisonnable, etc.
Et ensuite, il y a la classification des risques très élevés, haut, moyen, plus faible, faible. Dans une organisation, vous pourriez avoir un risque de conformité assez élevé, mais un risque de blanchiment des capitaux assez faible. Et c'est pour cela que je disais qu'il faut définir et appréhender les risques séparément et non pas de façon groupée. Nous recommandons pour la classification des risques d'avoir en place une échelle allant de 1 à 5. Donc, cela assoit le fait qu'il y a des risques différents et qu'on peut y répondre différemment. J'ai inclus très élevé, c'est-à-dire que cela va bien au-delà de votre tolérance au risque. Ici, souvent, les organisations ont une échelle de risque qui va de 1 à 3 et nous recommanderions d'aller au-delà de 3. John, alors, John, allow me to intervene. We will, John, je me permets de vous interrompre. Raise a couple of questions. Nous avons quelques questions. Donc, je m'adresse plutôt à l'audience parce que là, on a déjà broussé un cadre systémique assez structuré, assez complexe, mais je voudrais savoir si dans l'audience on avait déjà quelques questions ou quelques commentaires en fait pour contextualiser comment ce cadre et comment ces risques sont perçus, évalués, mesurés et quels sont les challenges autour de ces risques dans la zone BCAO et au Sénégal en particulier quoi. Si certains participants veulent partager leur expérience ou poser leurs propres questions, ce serait un bon moment pour le faire et ça aiderait à contextualiser. Et ensuite, pour John, à structurer aussi sa présentation, il va rentrer dans l'analyse plus spécifique de la mesure des risques dans les institutions. Donc, si vous avez des questions et des commentaires à faire pour apporter une vision beaucoup plus propre au Sénégal et à la BCAO, c'est un bon moment pour le faire. Je voudrais surtout préciser qu'effectivement, on a en plus de ça la BCAO qui participe à ce call et également l'UNCDF, donc qui ont des travaux notamment sur tout ce qui est risk assessment, évaluation du risque. Donc, si vous avez des questions, des interventions ou autre chose, vous pouvez intervenir tout au long de cette présentation. Merci. OK, John, you could continue, please. Proceed. Thank John, you. Vous pouvez continuer. Merci. Alors, dans les slides suivantes, nous allons rentrer dans la pratique. Il faut une méthodologie d'identification et d'évaluation des risques dans toutes nos institutions. Cela peut comprendre la prise en compte des facteurs dont nous parlions, comprendre l'atténuation des risques, la pondération de certains facteurs selon leur importance et la classification des risques sur la base des canaux par lesquels passent ces envois de fonds peuvent être pondérés de façon différente selon les contextes. Et donc, le modèle doit tenir compte de ces différents attributs des facteurs cités afin de garantir une bonne compréhension des risques. Donc, les modèles que je vais vous montrer sont des exemples très généraux de projets, de méthodologies qui peuvent être appliquées. Nous avons
pu travailler avec un certain nombre d'institutions pour aboutir à une compréhension robuste du risque. Et cela a permis aux organisations de se concentrer sur des risques prioritaires où la conformité du client est potentiellement très faible. Et donc, cela permet de faire avancer le devoir de diligence raisonnable pour garantir une réponse proportionnelle au niveau de risque. In broad terms, it's taking into account... En gros, ce qu'il faut faire, c'est de prendre en compte, comme vous voyez à gauche de l'écran, qu'il y a quatre facteurs. Il y a également un autre facteur, nous ne l'avons pas utilisé, mais ça, c'est la criminalité financière dans le contexte particulier des pays et l'inclusion financière et la fraude dans un sens large. Ensuite, il y a également les risques géographiques, les risques liés aux produits, au mode de distribution, risques pour le client. Donc, vous pouvez utiliser tous ces risques pour faire votre évaluation au niveau de la clientèle ou au niveau du client individuel. Donc, vous pouvez faire une évaluation au niveau macro comme au niveau micro. Et votre évaluation pourrait être en rapport avec l'évaluation de ces cinq facteurs. Ensuite, avec une pondération selon leur importance, et ensuite, vous pouvez avoir un résultat ou un produit. Donc là, par exemple, vous êtes en train de faire une pondération pour tel ou tel risque. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez établir une matrice des risques. Et comme je vous ai dit, ça peut se faire soit au niveau individuel, soit au niveau d'un groupe de clients. Vous pouvez ainsi stratifier ou catégoriser votre clientèle. Vous pouvez les mettre dans telle ou telle catégorie et ensuite, vous pouvez donner une note à chaque catégorie. Donc, dans l'ensemble, les différentes catégories peuvent aller d'une catégorie où le risque est très élevé ou le risque est très bas ou très faible. Dans certains cas, on nous a demandé de convertir ces catégories de risque en trois catégories seulement, élevées, moyens et faibles. Moi, je ne suis pas vraiment favorable à cela. Je pense qu'il vaut mieux avoir une catégorisation un peu plus granulaire. Donc, si vous faites vraiment 1, 2, 3, eh bien, cela va de pair avec un niveau de devoir de diligence élevé, moyen ou faible. Mais moi, je pense qu'il est préférable d'avoir une approche un peu plus graduée parce que si votre évaluation de risque fait que les risques vont au-delà de votre appétence pour le risque, vous allez prendre d'autres mesures, on parle de de-risking, mais peut-être une autre façon d'aborder ces risques fondée sur les données un peu plus poussées, une analyse plus poussée. Donc, j'ai quelques informations de cela. Nous avons constaté dans nos expériences pratiques que quelquefois, lorsqu'il s'agit des envois de fonds, ceux qui utilisent, c'est-à-dire les expéditeurs et les bénéficiaires, le pays bénéficiaire, au sein de ces populations, il y a des populations de personnes qui envoient l'argent à leur famille. Et en général, l'objectif de cet envoi de fonds, le contexte, la somme envoyée, vous pouvez donc, après avoir étudié toutes les données, voir que le risque est relativement faible pour ce type de client. Donc, je pense que
ce n'est pas nécessaire de considérer que tous les envois de fonds sont considérés comme des envois à risque. Ces jours sont révolus. Aujourd'hui, il faut des approches beaucoup plus robustes. Il faut pouvoir dire des choses avec confiance. Il faut voir que les réponses sont proportionnées au risque, qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Donc là, vous voyez les risques sur une échelle de 5, on peut faire une pondération. Et avec une clientèle à risque faible, vous pouvez avoir donc une note faible, mais parfois il y a des corridors géographiques. Peut-être qu'à côté du Sénégal, les autres pays sont également à risque faible. En tout cas, vous avez la possibilité, avec cette classification, de faire cette analyse. Donc, vous pouvez avoir une base sur laquelle vous pouvez vous positionner. Je vous montrerai une version un peu plus détaillée de ce concept. Alors, donc, si on regarde cela, on a besoin de faire une évaluation des risques à deux niveaux. D'abord, au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de votre organisation. Cela veut dire au niveau de la distribution de ces produits et votre base de clientèle, il faut prendre en compte un certain nombre d'aspects en fonction de ces risques. Alors, vous voyez ici, il y a donc les risques liés aux produits. Maintenant, vous allez faire quelque chose de similaire au niveau de l'ensemble de votre activité en ce qui concerne le canal de distribution, etc. Vous aurez en principe besoin de 4 bleus. Ensuite, vous pouvez comprendre quels sont les attributs qui sont liés. Vous pouvez donc rédiger des conversations avec dans les différentes colonnes et les responsables peuvent prendre le relais. Vous pouvez également présenter ce genre de tableau à votre conseil d'administration. Là, il s'agit d'un modèle macro. Donc, il montre la composition macro des 4 facteurs pris ensemble. John, if I may interrupt Alors, you a second John, for a question. Est-ce que je peux vous interrompre pour une question, s'il vous plaît? En fait, bien sûr. Je pense que c'est l'approche est très sophistiquée et structurée c'est très précis. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment un prestataire de service de transfert d'argent a utilisé, mis en place ce cadre d'analyse? En prenant un exemple très, très concret et très basique, s'il vous plaît. Merci. Happy to talk you through that. Thank you. Oui, bien sûr. Je pense que tout d'abord, il faut savoir que ce modèle est un modèle périodique. Il ne s'agit pas d'un modèle dynamique, transactionnel en temps réel. Il faut comprendre quel est le risque lié à votre produit ou vos produits de façon périodique. La personne responsable de la compliance, donc la conformité, doit faire cette analyse. Donc, d'abord, le risque peut être lié à la perception. L'organisation pense, par exemple, que... Prenons le point 4, financement en espèces. Nous pensons que quelques espèces font que ça peut faciliter des transactions en espèces et ça peut avoir une influence sur votre évaluation. Donc, ce que vous pourrez analyser, c'est quelle est la proportion des transactions en espèces, à quelle fréquence est-ce que c'est fait, quelle est la périodicité, etc., etc. Donc, vous pouvez ainsi utiliser cet aspect-là pour faire votre
analyse. Le risque inhérent sont les attributs que vous prenez en compte, les caractéristiques du produit qui peuvent engendrer un risque de blanchiment de capitaux. Si vous avez un produit d'envoi de fonds, bon, il y a un plafond de la transaction, dans la transaction. Si vous comprenez bien le profil des données de cette transaction particulière sur une période, disons, d'un an ou un mois, quel que soit l'échantillon, vous pouvez déterminer le niveau et le volume des transactions en ce qui concerne la taille, la périodicité, et puis prendre la bonne décision pour atténuer ce risque. Donc, vous pouvez juste mettre une petite description courte dans la colonne que vous voyez sur la description du risque inhérent. Ensuite, vous pouvez faire une pondération, par exemple, en ce qui concerne les envois en espèces. La pondération est plus importante que pour les autres. Parfois, il y a des éléments qui ne sont pas applicables, donc on ne met pas de pondération. Ensuite, il y a le contrôle de la pondération du risque. Vous pouvez dire oui, le risque est applicable, le risque inhérent est moyen parce que vous avez un bon moyen de devoir de diligence et pour qu'il y ait de l'identification numérique du client, c'est peut-être bon aussi parce que vous avez une plateforme où les informations sont numérisées. Alors, qu'en est-il de l'atténuation du risque? Tout dépend de la calibration de votre modèle. Et vous pouvez ainsi dire oui, vous pouvez dire non. Vous pouvez choisir quelque chose d'un menu déroulant. Vous pouvez mettre une description dans la colonne qui utilise un menu déroulant. Ensuite, vous pouvez également remplir la colonne qui se trouve à gauche des pourcentages. Et l'atténuation du risque, c'est également une opportunité de faire une description pour que, quelle que soit la personne qui lit ce document, bon, que ce soit le conseil d'administration ou autre, peut comprendre votre approche globale de l'évaluation des risques. Le modèle automatique fait des choses automatiquement basées sur un risque moyen. Et ça, c'est à droite. Vous avez l'opportunité d'utiliser ce modèle comme une fiche d'action. Donc, si vous voulez mettre en place une action pour atténuer les risques, c'est là où vous rédigerez votre texte. Donc, évidemment, tout ce qui est narration est importante et les nombres et la méthodologie doivent être reflétés. Alors, juste je voudrais vous demander, est-ce que vos modèles sont plus fondés sur la perception ou plus fondés sur les données? Dans les interventions que j'avais évoquées, nous nous sommes rendus compte que très souvent, les risques liés au blanchiment, au financement du terrorisme sont fondés sur la perception. Et là, on a une opportunité de passer à des données et pour bien comprendre des risques avec des preuves à l'appui. Voici un autre exemple pratique du modèle pour vous. Chacun des attributs que j'ai évoqués, par exemple, le montant de la transaction, vous pouvez avoir une échelle calibrée pour cela. Là, vous voyez que votre transaction est en 1000 $, comme vous voyez à gauche. Donc, la cote est 4. C'est un risque relativement élevé. Vous pouvez faire une pondération.
Et dans ce modèle, je suis en train de faire une évaluation transaction par transaction au client par client. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais dans les modèles que nous avons évoqués, il y a une opportunité pour passer d'une évaluation globale au niveau macro à une évaluation micro pour chaque client dans le contexte géographique. Et donc, ainsi, nous pouvons faire une pondération et mettre une note pour chaque client. Lorsqu'on analyse les fiches des données des clients qui sont anonymisées, bien sûr, nous pouvons comprendre quel est le montant des transactions, le volume des transactions, qui est l'expéditeur, qui est le bénéficiaire, la nature de la transaction, la nature de l'envoi des fonds. Et très souvent, dans le monde d'envoi du fonds, souvent on entend nous n'avons pas les moyens pour développer un système très sophistiqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas vraiment besoin dans une période extrêmement courte. Et c'est ça l'avantage du projet Senfree, c'est que vous pouvez passer de la perfection à des données solides tangible pour faire votre analyse. Et notre analyse permet d'inclure ce genre de variables. Et c'est quand même très pratique. Vous pouvez voir ça à l'écran. Vous voyez tous les paramètres que nous utilisons. Et cela ne prend pas beaucoup de temps. C'est faisable. Et combien de temps cela prend-il? Combien de temps, justement, ça prend pour faire cette analyse, pour proposer pour un prestataire de service, on va dire, classique. Yeah. Okay. Let me tell a story on this one. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dans un cas en particulier, c'était justement cet échange qui a eu lieu. Le Senfree a dit « Envoyez-nous les données ». Le client nous a envoyé 3 mois de transactions. Donc, c'était un fichier téléchargé depuis leur système sous format Excel. Nous l'avons reçu et la semaine suivante, nous avons fourni notre analyse et nous avons pu leur donner donc une idée du volume qui a envoyé des données à qui. Et donc, sous une semaine, nous avons pu leur fournir cette analyse pour leur permettre d'aboutir à cette compréhension axée sur les données. Et donc, ce n'était pas forcément en temps réel que cela a eu lieu, mais en tout cas, l'organisation a pu passer d'une approche très généralisé à une approche vraiment spécifique. Alors qu'il s'agisse, quel que soit en fait le nombre de données, par exemple, si vous avez 10 000 transactions et que, si vous vous rendez compte que 9 000 de ces transactions ou 9 000 de ces clients sont à risque faible, eh bien cela permet en fait de cibler vos priorités. Sous un mois, nous avons pu régler tout cela. Nous avons donc facilité une analyse de risque plus générale et ensuite nous sommes passés à l'analyse plus précise. Donc, il faut évidemment être en capacité de gérer toutes ces données. Alors, cela m'amène à une autre question, John. Vous challengez, hein. On veut profiter de votre expertise, hein, puisque vous connaissez trop bien le sujet. Quand on a justement fait cette analyse de risque, est-ce que vous pouvez nous donner aussi toujours des exemples d'adaptation
en termes de procédures d'identification du consommateur, quoi, qui ont pu être mises en place justement pour tenir compte de cette mesure des risques. Yeah, sure. Oui, bien sûr. Dans l'une de ces organisations avec lesquelles nous avons travaillé, par exemple, si vous avez un canal qui passe d'un pays 1 vers un pays 2, sans rentrer dans trop de détails, et les pays est inscrit à la liste grise, si le profil de transaction est aligné sur l'objectif de la transaction, et si vous aboutissez à une bonne compréhension du client, eh bien, bon, vous savez que ce n'est pas une transaction à haut risque, mais vous avez des informations sur le pays émetteur et le pays récepteur, mais le profil de la transaction et du client est à risque plutôt faible. Si vous en êtes plutôt confiant sur la base de votre analyse statistique, par exemple, eh bien, cela fait partie de votre diligence raisonnable. Et si le client vous fournit des informations quant à la vérification de son adresse, eh bien, vous pouvez adopter un processus de diligence raisonnable simplifié et démontrer à votre entité de réglementation ou à vous-même. Car évidemment, une analyse de risque n'est pas toujours seulement pour l'entité de la réglementation. Eh bien, vous disposez désormais des informations nécessaires. En fait, dans l'exemple que je vous citais, il y avait un certain niveau de risque pour le pays qui figurait sur la liste grise, mais le pays n'avait pas de risque de financement du terrorisme particulièrement élevé. Et dans cet exemple, disons, si 10% de la base client présentait un risque plus élevé et 5% présentait un risque très élevé, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur ces transactions en particulier. Et lorsque le client effectue une nouvelle transaction, vous pouvez demander davantage d'informations. Nul besoin nécessairement d'acheter un système extrêmement onéreux. Vous pouvez mettre en place un système qui vous permet de cibler votre attention sur certains types de transactions. Nous n'avons pas procédé à l'analyse des données dans le cadre de ce projet, mais en tout cas, l'organisation a par la suite procédé à ce type d'exercice. J'espère avoir répondu à votre question. Cela ne signifie nullement qu'il n'y a aucun risque, mais en tout cas, une approche axée sur les données vous permet de comprendre que 80% de vos clients sont in fine à risque faible, présentent un risque faible. Et vous voyez donc que le profil de la transaction est en fait parfaitement aligné sur ce qui est déclaré. Donc, par exemple, envoyer de l'argent à sa famille, peut-être c'est une transaction qui a lieu une fois par mois. Si vous voyez un client qui envoie, qui effectue 50 transactions sur une période d'un mois, si les montants ne sont pas extrêmement élevés et qu'ils ne sont pas identifiés comme étant à haut risque, eh bien, vous pouvez considérer qu'éventuellement le risque est un peu plus élevé et vous pouvez suivre ce type de transaction. C'est un exemple sur lequel nous avons travaillé également. Alors, je parle en termes très larges, mais j'espère avoir répondu. Oui,
Non, je vous en prie. C'est important également les questions-réponses. Alors, j'ai deux dernières diapositives et je vais conclure sur certaines questions, en fait. Alors, pour conclure, les rapports sur les risques sont-ils nécessaires? Eh bien, la réponse devrait être sans doute oui, mais quand devrait-on faire un rapport et à qui? Et il faut pouvoir identifier son niveau de tolérance au risque de façon mesurable. Une fois que les modèles sont en place, eh bien, il faut qu'ils soient simples d'utilisation. Il faut avoir un certain niveau de compétence en matière de gestion des données, c'est vrai. Et j'aurais une question pour vous. Votre niveau d'assurance, c'est-à-dire la conviction que votre analyse des risques est juste, le fait de pouvoir déclarer que vous comprenez bien vos risques et votre niveau de tolérance aux risques, c'est extrêmement important. Et je pense qu'elle nous ramène à notre point de départ. Quel est le résultat idéal et quel est votre objectif final? Est-ce que vous cherchez uniquement à vous conformer à la réglementation? À notre sens, il faut adopter une vision bien plus large et lutter contre la criminalité financière. Je m'arrêterai là pour la présentation. Je pense avoir également parlé de cette dernière diapositive. Je vous remercie et je rends la parole au modérateur. Merci. Merci beaucoup, John. Je voulais également... I would like to just to ask you one question. J'aimerais vous poser une question. To the norm, en ce qui concerne... 27,000 ISO. Referring the risk assessment. La norme ISO qui se réfère à l'analyse de risque en particulier et pour mieux comprendre en termes de surveillance en matière de risque, comment est-ce que les entités de surveillance peuvent-elles opérer cette approche axée sur le risque? Eh bien, nous avons un modèle dédié à cette question que nous avons mis en œuvre dans un pays et nous allons travailler avec un autre pays également pour mettre en place des processus de surveillance axés sur les risques. Et dans le cadre de la liste grise, cela s'avère important. Et l'entité de surveillance doit bien comprendre l'organisation afin de cibler leur attention sur les organisations ou les risques prioritaires. C'est un sujet assez vaste, mais je pense que l'équipe serait très heureuse d'organiser une discussion sur ce sujet. Donc, c'est un modèle à part. Ce n'est pas le modèle que je viens de présenter, mais le modèle s'appuie sur les mêmes principes. Les normes ISO, à mon sens, ne sont pas toujours très utiles pour le développement de cadres d'évaluation de risque. Ils ne recouvrent pas la lutte contre le blanchiment des capitaux, d'autres normes essentielles. Et je pense qu'il faut atteindre une bonne compréhension des facteurs dont j'ai parlé. Et je crois qu'aujourd'hui, les principes nécessaires n'existent pas. Et je serai très heureux de faire avancer les travaux dans ce sens. Il n'y a pas vraiment de normes pour l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'il y a un réel besoin. Merci. I would like also to ask you one last question. Les langues, peut-être pouvons-nous fermer la présentation? John, if it's possible, yes. John, peut-être. Oui, merci. Thanks, Pedro. Merci, okay, Pedro. Just recalling to your experience, you know, alors, in West Africa, pour revenir à votre expérience, John, en Afrique de l'Ouest en particulier, nous avons une certaine difficulté
Please, could you just Car il y a la share with us how question des transferts mobiles également. Comment est-ce que les banques centrales peuvent avoir accès à ces informations, mettre en place des boîtes à outils pour intégrer notamment ce type d'opérateur comme MFS, par exemple. Les données qui relient l'argent via mobile aux canaux d'envoi de fonds. Oui, tout à fait. Nous avons un exemple où nous avons aidé une organisation qui opère ce type de système. Donc, l'envoi de fonds se fait vers ce type de système et nous les avons aidés à évaluer les risques. Mais pour les modèles, il faudra que je demande à Masua où sont ces modèles. Masua, avez-vous une réponse à ce stade? Oui, John, concernant le lien avec les processus d'envoi et des prestataires de services, si j'ai bien compris la question ici est de pouvoir reconnaître le fait qu'il y a des cadres réglementaires différents dans des différents pays et également la façon dont le paiement est fait. Est-ce qu'on utilise beaucoup les services de téléphonie mobile ou pas? Donc, en fait, il faut une harmonisation de la régulation pour que ce soit facilité. Parce que la plupart du temps, les régulateurs ont des commutateurs et parfois c'est très difficile pour les prestataires de services de les utiliser. Donc je pense qu'il faut utiliser différents moyens et déjà il faut étudier l'écosystème pour voir quel est l'écosystème et comment les différents acteurs peuvent être intégrés dans cet écosystème et comment nous voulons promouvoir l'accès aux services financiers, aux ménages à faible revenu. Il y a des questions qui se posent, il y a des défis dans les pays et dans les différentes régions autour de ces questions. OK, très bien. Merci à toutes et à tous. Thanks. Thank you so much, John, for your response. Merci beaucoup, John, pour vos réponses. Merci pour votre présentation. Also, Nicolas. Merci à Nicolas for your interpretation and your presentation. Pour votre présentation et votre merci. Je voudrais aussi encourager tous les participants cette première initiative de la communauté de pratique au Sénégal pour participer et pour pouvoir continuer à être présent pendant nos prochaines séances. Vous allez remarquer que nous essayons au fur et à mesure de suivre, une ligne directive en fonction de ce qui a été défini pendant les échanges en communauté de pratique et pendant le réseau national d'envoi de fonds. Je voudrais également préciser que nous avons également un groupe LinkedIn qui est dédié au réseau national d'envoi de fonds que j'anime et sur lequel vous pouvez partager vos difficultés, puisque bien entendu, ce groupe de travail est vraiment dédié au partage d'expériences et aussi pour pouvoir également partager les difficultés que les acteurs du domaine rencontrent. Je sais par exemple que certains, justement, comme on l'a évoqué, certains MTO ont des difficultés qui sont différentes des banques, par exemple, ou même des mobile money issuers, des émetteurs de monnaie électronique, ainsi que des switches.
Donc, du coup, les problématiques peuvent être différentes. Donc, le groupe LinkedIn est vraiment dédié pour ça et aussi pour le suivi des différentes initiatives qui sont effectuées dans ce cadre. Nous organisons, je voudrais également préciser que nous organisons donc le GFRID 17 juin à Nairobi. C'est vraiment un événement, c'est l'événement pour ne pas dire majeur dans tout ce qui est Remittance International. Donc, je vous exhorte à y participer. Il y aura bien sûr la présence du président du FIDA. On va aborder beaucoup d'aspects en fin de compte qui sont liés au remittance, notamment l'inclusion financière liée au remittance, bien entendu, pour pouvoir permettre à toutes les banques centrales qui sont présentes de partager également leur expérience, parce que je pense que l'Afrique de l'Ouest pourrait apprendre énormément de ce qui a été fait dans d'autres pays. Donc, je voudrais vraiment vous inciter à participer à cet événement. Donc, je viens de partager également le lien pour participer à l'événement. Vous pourrez le voir dans le lien de discussion de ce call. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre participation et je vous remercie. Bien sûr, c'est donc. Est présenté aujourd'hui durant le forum avec une perspective aussi non seulement à des niveaux nationaux, mais aussi régional et global. Donc, je vous invite vraiment à y participer. Et dans ce cas précis de la présentation aujourd'hui pour le Sénégal, n'hésitez pas à envoyer des questions directement à laquelle je pense que nos collègues de Senfree vous feront un grand plaisir d'y répondre, au moins dans la semaine. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup encore une fois et je passe la parole à Hélène pour clôturer la session. Hélène. Merci beaucoup, Pedro. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, encore une fois, c'est vraiment le lieu de rappeler cet événement. Donc, nous continuons à animer, en fin de compte, le groupe qui est dédié pour ça. Donc, je vais individuellement vous envoyer des invitations pour rejoindre le groupe LinkedIn qui est dédié et également vous envoyer directement des informations sur le forum GFRID. Donc, encore une fois, merci. Merci pour votre temps et ainsi que pour votre intérêt. Thank you. Thank you, John, also as well. And thank you to merci beaucoup, John, et merci à Senfree et à toute l'équipe.
Merci beaucoup et au revoir.